Ensuite, la fin du truc, on va dire s'accrocher à une bouée qui servira de flotteur pour maintenir la pente en suspension au-dessus des structures. Le poisson va mordre et... Les Aztèques imposent aussi un tribut au peuple soumis.
Comme ce système de sa cellulite basée, l'Empire aztèque reposait sur le système du tribut. Ses contributions étaient vitales pour la vie populaire de Tenochtitlan. Il s'agissait aussi bien de matières premières que de produits de luxe. Tout devait être importé. Les marchandises arrivaient de loin à un coût modique, bien sûr, puisqu'il s'agissait d'attributs. Cela enrichissait les Aztèques et leur permettait de poursuivre leur expansion. Les cités-états tributaires reçoivent des instructions précises concernant la nature et le montant de leur contribution. Le système aztèque repose sur l'exploitation de ces villes. Cette page du Codex Mendoza contient une liste des contributions que doivent verser les cités-états tributaires. Par exemple, ces magnifiques armures, mais aussi des denrées alimentaires comme les haricots ou encore des bijoux. Tout était défini dans les moindres détails. Parce que les Aztèques tenaient beaucoup à ce que les contributions soient versées. Mais pas pour tous. Et elles n'étaient pas du tout obligatoires. Ce sont des documents. Les enfants de vie.
Donc, ici, j'ai quatre lettres. Et dans la notice, on utilise deux ici, un ici. Ça fait trois. Donc, il reste encore un crochet que je peux mettre là où je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est partager donc le câble. Les deux, celui-là. Il va passer ici. Et ici. Et le troisième, donc le trou en bas, il va repasser dans le trou ici pour faire passer. Je vais retirer ça. Donc je disais, le troisième LED, il passe là. Et là, je vais utiliser une bobine de corde. Je vais enrouler autour de ce câble là. Enrouler ça avec le cordage. C'est ça que je voulais faire. Ce qui fait que j'enroule. J'enfile une corde autour du LED et je mets de la colle forte pour maintenir le cordage à sa place. Donc, je peux couper. C'est une corde cirée. Qui n'est pas dans le paquet, donc que j'ai commandé, acheté, c'est pour les chaussures. Donc je mets une poêle à cône instantanée. Pour éviter que les cordes se déplacent ou se détachent. Voilà. Bon, on attend 10 secondes pour que ça sèche. C'est de la colle instantanée. Ainsi. Cordage. En haut. Et en dessous. Ici, normalement, il y a des lanternes qui se cachent derrière. Ici. Donc, il faut que je mette une touche de.
passer la LED dedans, passer à l'intérieur et c'est beaucoup mieux. Et dedans, je colle au sommet pour les cette partie et ça. C'est dans le trou derrière. Passe par là. Voilà. Je vais passer à la lanterne derrière. Ici l'autocollant. Je colle la lanterne. Compliqué. Aïe, j'ai cassé quelque chose. Je viens de casser la palustrade. Ah, c'est détaché. Ouf, ça va. Je croyais avoir cassé une de ces pointes. Mais c'est détaché. Ah, super cool. Parce que ici ça commence à détacher. Ça colle trop au coin. C'est fini pour les trois LED. On va vérifier à nouveau. C'est bon, les trois fonctionnent. La quatrième, je le fais. Ici.
Coche, colle. Souris. C'est trop, il faut. Je vais coller trop. J'avais pas fait attention. Bon, c'est trop tard. Ils ont un trou pour passer le câble et moi je peux passer par derrière. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière derrière. En fait, il faut passer la lumière devant et pas derrière. Enfin, lui, il me cache. Il va cacher le câble et la lumière est devant. C'est bon.
Thank you.